Permítanme hablar un poquito en español
esta misa está siendo transmitida también para nuestros hermanos que hablan español en todas partes, en mi canal de YouTube. Y quiero decirles que estoy profundamente emocionado de estar aquí en la capilla donde estuvo tantas veces orando las mismas semanas de la caridad, las mismas semanas a las que mi mamá perteneció, mi tía, que es una alegría muy grande. Así que esta Santa Eucaristía la celebramos con las intenciones de todos ustedes, por esa oración de los puntos y por las intenciones de ustedes también en todas partes del mundo. Que también es un poquito, pero sí. Reparamos a la celebración de Santa Eucaristía, a mí que son como son cristianos. Je reconnais mon frère et sa sœur, et je les chie en pensée, en parole, par action et par position. Oui, je les enrichis. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Soudain, on vit apparaître
en face du cathédrale, les doigts d'une mère bonne qui se mit à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit ses mains qui écrivaient, il changea de couleur. Son esprit se troubla. Il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu bien, Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes trésors. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Et voici le texte. Menez, menez, Tekel, ou Farsi. Et voici l'interprétation de ces mots. Néné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou farci, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. Yes, sir.
Il n'y en a aucun prophète, nous ne savons rien. Mais ici, dans notre Église, et dans ce que le Seigneur nous offre chaque jour, il nous invite à retrouver ce thème fondamental de ce texte, parce qu'en dehors de cette tendance apocalyptique, nous pouvons dire que ce texte nous invite à l'espérance. Mais ça, n'est pas une espérance passive, comme aujourd'hui, peut-être l'expression n'existait pas, à une espérance active. Ça veut dire à ne pas tout attendre de Dieu, comme nous serons peut-être des incapables, si vous permettez l'expression. Non, le Seigneur nous fait confiance et nous invite à cette espérance à partir de cette confiance qu'il a pour nous. Mais il nous avertit que cet évangile que nous portons tous et que nous essayons de proclamer partout dans le monde, c'est un évangile qui dérange. Oui, nous portons une bonne nouvelle qui dérange le monde. Certainement, parce que la parole que le Seigneur nous invite à proclamer, c'est une parole de vérité, de justice, une parole que je le dis et insiste à l'espérance. Et notre monde, parfois, est habitué à abandonner tout signe d'espérance. Notre monde, parfois, il a l'habitude de dire comme si Dieu n'était, comme si Dieu n'existait pas. À notre grande liberté, et c'est bien, c'est un don de Dieu. Mais nous devons faire attention et demander la force de l'Esprit-Saint pour discerner ces temps, ces signes du temps qui se présentent à nous chaque jour et à tout moment. Il faut essayer de les découvrir à nous-mêmes et chez les autres. Mais pour cela, il nous faut de l'espérance. Et il nous faut de la persévérance. Persévérer, c'est une des grandes invitations du Seigneur à notre Église d'aujourd'hui. Persévérer pour découvrir ce signe du temps, pour arriver à discerner ce que le Seigneur veut nous dire, parce que nous pouvons penser que c'est la fin. Oui, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des violences, il y a des persécutions. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter cette parole d'évangile, parce qu'ils ont le cœur, bien sûr, ailleurs. Mais le Seigneur nous invite toujours, comme je l'ai dit, il insiste, à découvrir ce qu'il y a. Même une étincelle peut nous dire beaucoup de choses de la présence de Dieu. Et nous l'avons entendu par ces cantiques des créatures que nous disons. Ces cantiques qui mettent toute la nature en situation de louange. Les froids, la grêle, les neiges, les montagnes, les animaux, de toutes sortes nous parlent et nous disent quelque chose de Dieu. Et c'est quelque chose de Dieu que nous pouvons découvrir, c'est que lui, il a fait tout pour que l'être humain soit heureux. Et il abandonne toute forme d'orgueil obstiné. Cet orgueil obstiné que nous vivons et que nous souffrons tous, c'est ça que les gouverneurs du monde veulent mettre dans notre tête. Au lieu d'être au service du peuple, au lieu d'être au service de la nation, de chaque culture, de chaque personne, parfois, ils préfèrent servir l'amour et les commerces. Et ils oublient toujours la personne qui est là, le peuple. Nous devons être en attente. Si nous sommes dans la persévérance, le Seigneur nous invite dans une attitude d'attente. Notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Nous voulons peut-être vivre dans une espèce d'angoisse d'attente. Nous voulons ça tout et tout de suite. Et le Seigneur nous dit, non, il faut attendre. La manière comme le Seigneur se manifeste à nous, c'est un espace du temps qui ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas mettre la main dessus de Dieu. Et lui, il ne nous appartient pas. Mais, même si nous trouvons le temps long, Dieu agit toujours, d'une manière imperceptible. Et il agit toujours quand il demande aux hommes et aux femmes de chaque époque de répondre à une vocation spécifique. Nous avons tous une vocation spécifique. Sommes-nous conscients de cela? Peut-être pas. Mais il faut arriver à comprendre cette vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Qu'il soit pour le mariage,
qu'il soit dans la vie de célibataire, qu'il soit dans la vie de chanteur, ou que ce soit en tant que graphiste, ou que ce soit en tant que prêtre religieux consacré. Chacun d'entre nous a une vocation, a un talent précis à offrir à ce monde qui attend de nous ces signes d'espérance. C'est ça qu'il nous faut découvrir. Comment je peux apporter à ce monde qui attend ces signes de joie, ces signes qui peuvent et qui doivent conduire à rendre gloire à Dieu pour tant de belles choses qu'il nous offre. Il y a eu, dans le temps, une Louise de Maria et un Vincent de Paul qui ont compris que le monde de son époque avait besoin d'une réponse. Ce n'est pas celle que l'Église donnait toujours des femmes cloîtrées ou des hommes plutôt dédiés à leur poumon, à leur prière. Il a fallu quelqu'un, des personnes qui ont compris que Dieu continue à parler et il parlait aux malades et aux pauvres, aux déshérités, tant de personnes qui avaient des soins, qui ont lu par de l'Évangile. Et ils se sont dit, on va provoquer l'Esprit Saint, on va provoquer la Providence et nous allons mettre en place une autre manière de vivre en tant que consacré. Et les filles de la charité sont nées. À partir de cette compréhension de l'histoire, chaque congrégation et chaque groupe de l'Église ont compris que nous avons une mission de répondre à l'Évangile, à l'œuvre d'aujourd'hui, pas dans le passé, pas dans un avenir incertain, mais toujours dans l'horizon que le Seigneur nous donne chaque jour. Cette femme a compris que leur consécration, que leur manière de vivre allait dire quelque chose d'autre au monde. Dieu s'approche des malades, Dieu se penche et console ceux qui souffrent. Et c'est ça le ministère de filles de la charité. Elles se penchent, elles écoutent, elles soignent, elles prient, elles s'élèvent. C'est des femmes consacrées à cette mission, à ce ministère, comme nous tous par ailleurs, comme dans un commun, comme au service des anciens, comme au service des déshérités. Chacun d'entre nous a cette capacité de, d'une certaine manière, imiter Dieu, de se pencher, de réécouter et de reconnaître chez l'autre la présence et la trace de Dieu. Parce que nous sommes tous porteurs de cette trace de Dieu. Nous sommes tous porteurs de cette bonne nouvelle que nous sommes invités à découvrir comme ce grand projet de Dieu. Que nous soyons capables, par notre vocation, de retrouver cette présence de Dieu. Ceux qui celles qui souffrent, ceux qui ont besoin de consolation, de compassion, de liberté, ceux qui ont besoin de se retourner, se révéler pour continuer leur marche à la manière de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui tend la main, qui est capable d'écouter les signes des temps, qui est capable d'écouter les cris des pauvres, qui est capable d'écouter les joies et les souffrances de chacun d'entre nous. Nous félicitons aujourd'hui les filles de la charité et nous nous réjouissons de ces charismes-là. Et c'est très bien, ça doit continuer ainsi. Mais nous, avec elle, nous nous réjouissons de notre propre vocation, ce que le Seigneur nous a offert, ce que le Seigneur continue à nous offrir pour que nous soyons des hommes et des femmes d'espérance, là où nous sommes, pour proclamer cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a confiée. Qui ça dérange le monde, certes, mais peu importe. Disons au monde que le Seigneur est là, que Dieu est toujours à l'œuvre et qu'il ne nous abandonnera jamais, malgré les mauvaises nouvelles de ce monde-là. Retrouvons cet essentiel de Dieu et répondons par notre vocation à ce que le Seigneur nous a mis à vivre. Une espérance dans la confiance et dans la persévérance. Bonne fête aux filles de la charité, bonne fête à chacun d'entre nous. Réjouissons-nous de notre vocation dans les temps.
dans la joie de la vie sincère et la compagnie de vie et la charité, dans la voie et l'espérance, à la suite des plus tristes, prions avec confiance. Les filles de la charité, en fidélité à leur baptême et en réponse à l'appel de Dieu, se donnent entièrement à Dieu. Prions afin qu'elles demeurent disponibles pour l'annonce de l'Évangile et le service des plus pauvres. Thank you.
renouvelle aujourd'hui, par la force de l'Esprit Saint, conformez-les de plus en plus à l'image de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ceci est mon corps.
Le sang de la Vierge Nouvelle Éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission de péché, vous ferez cela en mémoire de moi. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos âmes. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la volonté de Jésus-Christ. Béni soit et communion au soir.
Prions le Seigneur. Nous voulons répondre, Père, à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement, à corps de servant, qui se sont liés à toi, d'être liés par le feu de ton esprit, et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est une joie énorme. C'est une grande joie d'avoir pu venir partager et être reçu par le Père Alexis, par mes frères qui ont célébré avec moi, avec vous tous. Ces moments, c'est vraiment pour moi le ciel sur la terre. Je fais vivre l'Eucharistie comme ça, dans les bras de la Vierge Marie, c'est un cadeau. Merci beaucoup pour célébrer ensemble la rédemption, le salut, la messe éternelle dans laquelle on sera toujours dans le feu de l'Esprit Saint et vivre avec les sœurs de la charité, ces moments tellement spéciaux. Merci beaucoup, gracias, je te permets par un espagnol, gracias a las personas que nos han acompañado, gracias porque esta Eucaristía ha sido no solamente aquí en la Medalla Milagrosa, sino en el mundo entero, un regalo de amor, lo sé, para todos ustedes. Que Cristo, que sigue vivo, celebrando la Eucaristía, siga haciendo todos los días su milagro, entregándonos su cuerpo y su sangre, y bendiga a estas hijas de la caridad que tanto nos aman. Louvorons la grâce à Dieu pour les dons de son amour qui nous a donné Marie et nous a permis de vivre cette réunion à l'Église. Et nous voulons seguir notre gratitude au Père Ariane qui possède cette messe. Merci beaucoup. Et particulièrement, au Père Alexis, recteur du Saint-Père de Notre-Dame de la Médaille de la Grèce. En effet, Dieu seul connaît le service caché qu'a exigé la préparation de cette célébration. Aussi, de ton cœur, au nom de fidèle charité, de bénévoles, de tous les fédérants et fidèles de cette chapelle, nous vous disons merci, Père Alexis, et nous voici de votre prière, reconnaissance et reconnaissance. Que l'Esprit vous accompagne et vous donne la santé. Merci. À ce moment-là, on va faire la bénédiction sur les médailles, les charlets, les autres objets qui ont été apportés à cette intention. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter et se servir de ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent à leur portant et en s'en servant à être transformés par la puissance de l'Esprit Saint et avec l'intercession de la Vierge Marie dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.
Thank you.